lieutenant Anderson? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant, dégage avant que je te transforme en ferraille. Je crois que nous pouvons y aller. Petit con, c'est parce qu'il m'empêche de te foutre une raclée. Votre sens du devoir, lieutenant, et le coût des réparations si vous m'endommagez. Sachez que je vaux une petite fortune. Les merveilles de la technologie. On arrive même à programmer des connards de nos jours. Faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. T'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Josh Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose? C'est la police tout crachée. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyeur nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois. Moi, alors, il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt... du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais. Vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée. De l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi.
Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Ça a été... T'es écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. De la Red Ice. Notre ami Carlos est... Mais faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Était fermé de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Thank you.
Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec le couteau. Non, c'est pas possible, ça colle pas avec les preuves. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Thank you.
Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Il est ici, lieutenant ! Putain de merde. Chris, Ben ! Ramenez-vous en vitesse !